Salut les amis, c'est Jody Dream, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouvel épisode de Terra Cubée. What? C'est quoi ce truc là? C'est quoi? C'est ma nouvelle maison. La maison de Barbie. Donc bah oui, j'ai... Oh, un big golem. Bonjour. Qu'est-ce que tu viens faire près de ma maison, toi? Tu es vilain. Tu es moche. Bon bah, oh purée. Bah les gars, je tiens à préciser, désolé, c'est vrai que je vois un golem, mais je dis même pas avec qui je suis. C'est pas bien. C'est honteux. C'est honteux, je suis avec Kiki, vous l'avez reconnu. Et je suis aussi avec le Glen et le Poussin. Pourquoi? Alors, et là, les gars, j'ai un big golem qui est en train de se former devant ma gueule. Oh, bon appétit. Donc voilà, est-ce bye que tu peux... Bon, non, il va pas dire bye bye la maison, c'est bye bye dans sa tronche, oui. Ah, bon, allez. Ouais, moi, tu es qui, toi? Tu crois que t'es fort? Tu ressembles à rien, mec. Je te défonce même dans l'eau. Non? Non, je... Oh, oh, mais... Et voilà, j'avais bien dit que j'allais le défoncer même dans la flotte. Donc, voici ma maison. Enfin ma maison, j'ai quitté l'hôtel de Coloria et j'ai une magnifique maison toute rose. C'est du bois qui vient de l'univers du monde des wyvernes. J'ai fait une quête, d'ailleurs vous avez pu voir dans la vidéo de TerraCube de Yux, bah, la fameuse wyverne qu'elle bat, bah, à un moment bah, elle donne le bois rose, donc c'est comme ça qu'on a le... dire plus facilement, de façon plus ou moins renouvelable. J'ai des petits cakes un peu partout, je me demande bien qui c'est qui est venu les mettre, je sais pas pourquoi. Donc je vais vous montrer en vitesse un peu ce que j'ai fait. Je l'ai commencé quelques jours, ça a été assez vite pour la faire, en fait j'ai littéralement fait que ça. Ma petite cuisine qui est pas entièrement finie, avec bah, plein de bouffe qui reste de mon anniversaire. Et en fait, petite surprise que Alta m'a fait, j'ai quand je dans mon sac la pêcheuse anniversaire, j'ai des petits cakes de la Miss, donc voilà, c'est super cool. Donc, ma Lovely, elle est où ma Lovely? Elle a une Lucky, c'est ça que tu m'avais dit, Glenn? Ouais, elle a une Lucky. Ok, donc, ici, l'étage, qui se balade là? Mais c'est ma fifi d'amour, donc Rose qui, bah, vous avez pu la voir dans les vidéos de Knut et Kata. Et à l'anniversaire, bah là maintenant, elle a sa petite chambre. Hein, je lui ai fait une petite chambre avec une petite garde-robe. Je lui ai crafté ça en survie. Alors parfois, bah je lui mets, voilà, comme ça. Bah, voilà, c'est cool quoi, elle a une petite arme, elle se défend. Mais bon, donc quand je ne saurais pas chez qui la mettre, et bah, elle reste dans sa chambre et ça sera très bien comme ça. Là, ça serait la chambre d'Indara et moi. Et donc là, dans le coin, là normalement, je ferai la salle de bain. Donc voilà. Je trouve que c'est assez sympa. Là, on a la petite femme que vous avez déjà vue. La belle petite cheminée. Et en dessous, on a un petit sous-sol avec plein, tous mes coffres. Tout plein de coffres. Là, ici, le début de ma salle d'enchantement. Avec, là, ici, je ferai sûrement un coin pour les potions. Et là, la petite pièce à côté. Donc, ça sera ma chambre pour ma lovely robot. Même si elle ne dort pas comme... Enfin, même si... on la met juste en mode off et c'est bon, bah voilà, moi elle a une petite pièce à elle, et enfin j'avais envie parce que j'aime bien ma lovely robot, voilà, tout simplement. Bah chez qui je vais les gars, qui a des choses à me montrer? Bah Titi. Titi depuis tout à l'heure il est en mode Titi, viens dans ma ville. Donc bah je vais aller dans la ville de Titi. Dans la magnifique ville de Kiyoshi. Donc il paraît qu'il y a des quêtes. Bon bah on va voir pour les faire. Hein. Kiyoshi, hop. Poum poum poum. Aïe, monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, voilà. Ma merveilleuse madame. Bonjour, monsieur. Vous avez des nichons, madame la harpie. Oh, attends, je vais peut-être me mettre en moi. C'est peut-être mieux. C'est très peut-être mieux, en effet. Avec les merveilleuses sushis. Oh, des sushis. Moi aussi, j'en ai. Il m'en reste un petit peu des sushis, miam miam. On m'en a balancé. Vu toute la bouffe qu'on t'a balancé à mon anniversaire, oh là là, mais et j'ai re-regardé, il est magique ce passage. Là j'ai de la bouffe jusqu'à... La fin de ta vie quoi. La fin de ma vie, oui. Bon bah voilà, je te suis mon titi. J'aimerais... Bah attends, on va déjà aller peut-être voir Noah avant. Bah je te suis.
Bon, on va voir, tu vas aller papoter un petit peu avec Noah. Elle a des petites choses à te dire. Ouais, tu vois de la bouffe. Ouh. Il y a un petit peu faim. Si tu veux, je t'expliquerai comment changer les lignes de dialogue au-dessus. Ouais, je veux bien. Bah, tu fais je savais le faire. C'est pas grave. Oh, il est cool son habit. Bonjour madame. Oui, j'aime bien. Bonjour, je suis la fille du boucher de Kiyoshi Vienard. Il vend des produits en bas. Moi, c'est Noah, c'est moi la femme de la maison. Ma mère étant décédée à ma naissance, c'est moi qui reprends le relais. Et je reste toujours là, tout le temps. Tout va bien ? Non, pas vraiment. Mon père est trop protecteur avec moi depuis l'incident de Leitaria et il ne me laisse plus sortir. J'aimerais t'avoir des cerises fraîchement cueillies. Peux-tu m'en apporter une dizaine ? Je serai en mesure de te récompenser. Bon. Donc, Kiyoshi, des cerises pour Noah. Elle veut 10 cerises. Bah, on va essayer de trouver des cerises, hein. Hop ! Il y a un cerisier derrière l'hôtel, plus ou moins. Ouais. Ouais. Ah, mais y a pas un... Ah oui, mais j'ai pas un rond sur moi, donc oui, il va falloir que j'aille les cueillir. Ouais. Bah, derrière l'hôtel, y a des cerises ? Ouais. Il y a un cerisier, logiquement. Ok, bah je vais vite aller alors à Coloria. Ah non, non, à l'hôtel. La salle des fêtes. Ah, la salle des fêtes, ok. Ouais, de Panda Zone, excuse-moi. Pas de problème. Coucou, poussin. J'ai muté 2 secondes en fait, parce qu'il est au téléphone. Ah ok, d'accord, mais c'est pas grave. Et je l'ai vu en fait, qu'il se baladait. Faudrait que je reprenne mon ferry aussi. Coucou dans le chat. Il y a des cerisiers par ici. Pauvre petite quand même, hein. C'est fou hein, de ne pas la laisser sortir comme ça. Ah oui, mais le monde est dangereux. Le monde est dangereux. Loul. Des petites cerises, il me faut des cerises. Surtout que c'est un endroit très 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 très, très dangereux, Kiyoshi. C'est pas dangereux, Kiyoshi. Oh si, c'est dangereux. Wow. Avec ce qui s'est passé autrefois, c'est dangereux. Oh là là. Oui, c'est vrai, si tu veux. Bon, par contre, là, j'approche du donjon loup, donc j'intéresse à faire gaffe. Ah. Récupérer Simon. Ah, oui. Ici, je vois des... Ah, oui. La foule de cerises. Il en faut 10, hein, c'est ça ? Ouais. 10 cerises pour la Noah. J'ai déjà fait. Oh, quelle horreur, je me vends en style. J'en ai trouvé 8. Ah, oh, KKK, j'ai été buter les loups du donjon loup, d'accord. Enfin, des loups. Oh, ça part popper, en fait. Ah bah, écoute, j'ai pas mon truc avec moi, mais j'essaierai d'aller régler ça après. What the fuck? Ok. Oui, on a un garde, oui. Ah oui, il y a Glenn, en fait, qui se bat parce qu'Unlucky, tous les PNJ qu'on avait fait durant la vidéo ont malheureusement disparu. Donc, il passe son temps à essayer d'en refaire, et voilà, c'est un petit peu triste. Qu'il est pop à chaque fois, je pense qu'on va vraiment essayer de faire limite un hôpital pour PNJ. Ça va, tu t'en sors avec les cerises ? Ah ! Ça marche aussi avec les pommes. Ah bon ? Ouais. Ouais bah donne-moi les pommes, c'est bien. C'est quoi ce bruit ? Ah purée, c'est un éléphant ! Oh t'es mignon toi ! Oh que tu c'est trop chou l'éléphant ici ! Tu veux être mon ami ? Oh il est trop mignon ! Oh j'ai trop envie de lui faire des câlins, c'est trop mignon ! Oh oui, oh attends, ne râle pas, oh, je viendrai après te dire bonjour. Mission, bah, il m'a dit que ça marchait, donc je sais pas, écoute, je vais revenir. Là, je reviens en plus à Kiyoshi à pied, là, depuis le nuit des pommes, hein, peut-être qu'elle va dire, oh merci quand même. C'est pas ce que j'avais demandé, mais merci. On va tester. Ah mais ta ville est quand même magnifique, hein, ça franchement, Titi... Elle est superbe. Qui ? Bah ta ville ? Ah. Je sais. Oh le mec ! Je sais. J'ai des balls, madame.
boucherie, voilà. Je vais aller voir si ça marche avec les pommes, si malgré tout, fait que j'ai que des pommes. Après, un fruit, c'est un fruit, hein. Madame. Tant que t'es rouge et rond. Oh merci, je n'en ai plus mangé depuis longtemps. Tiens, pour te masser, je t'offre ce couteau, j'espère qu'il te servira. Wouah! Ouya! Ouya! Normalement, elle t'a donné un peu de plus, non? Ah ouais, mais il est cool. Ah merci! Eh, hey, merci beaucoup! Je le mettrai dans mon truc. Tu fais quoi? Plus 6 points d'attaque. Je le mettrai dans ma cuisine pour décorer. Ah, GG, hein, Titi. Franchement. Il est craftable? Celui-là, il est craftable? Tu penses pas? Ok, d'accord. Non, ça coûte pas. Après, voilà, je me suis dit, son père est bouché. On peut faire peut-être le rapprochement. Ouais, bah ouais, non, c'est nickel. Bon, je vais te montrer les... Maintenant, je vais te montrer les nouveautés de... De qui aussi. Ne regarde pas trop vers la droite. Ah, qui fait bête. Pour le moment. D'accord, ok. Et je vais où? Je te suis. Bien. Oh, je reste garde à le quitter parce que j'ai trop. Ouais, si Zob veut venir, qu'il vienne, hein, tu sais, lui envoie un message. Je te présente l'écurie de Kiyoshi. Attends. Ah, je lui dis quand même, hein, on a la cool. Hein, L'écurie de Kiyoshi. J'avais pas encore vu ça. Trop beau! Oui, c'est mon Pégase. Oh, il est magnifique. Quelqu'un sait switcher Zop? Tu sais, vous savez si le switcher avec nous? Ouais. Attends, je vais le switcher. Ah bah il est où? Ah, il est où? Il est en haut ou quoi? Ah bah voilà, si, non, il est là. Bah voilà. Coucou Zop. Bonjour. Ça va, tu vas bien? Ouais. Donc, ton Pégase. Ouais, c'est Glenn qui m'a aidé à le refaire. Ah bah il est super beau, franchement. Bah en fait, il a disparu, je sais pas. Et lui, le palefrenier, il dit quelque il chose. Il parle. Salut l'ami, je suis le palefrenier de Kiyoshi. Si tu as une course à faire ici, tu peux laisser ton cheval dans un de ces enclos, je m'en occuperai, sois-en sûr. Besoin d'aide? Oui, j'aimerais bien... J'aimerais bien, le paysan Dioko n'a pas eu une bonne récolte ce mois-ci, il n'y a pas pu m'apporter le blé pour les chevaux. Peux-tu m'apporter un stack de blé? Je te paierai en conséquent. Ok, Après ça, tu le feras peut-être plus tard, non? Non, mais je fais tout maintenant, moi je alors, montre... Alors fais tout maintenant, vas-y. Ah, moi je fais tout, hein, je fais rien. Quoi, tu veux la faille, toi? Toi, je te défonce, Voilà, voilà le creeper, voilà, tu es gentil. Merci. Hop. Donc, les sushis, Zop, petit nouveau de ce serveur. Oui, c'est ça. It's a big wind in my face. Pendant un moment, je me dis, ok, il va rien dire, il m'a envoyé chier. Non, j'y avais pensé, mais je dis, non, je vais pas le faire. Ah non, vraiment pas. Vraiment pas. J'ai réfléchi parce que je veux pas me fail sur ta survie, ma maison. Pour ta survie, fallait pas le faire. Hein. Ça aurait fait, Zop, tu es où, Zop? Oh bah je suis là-bas, ok j'arrive. Bah chez moi. Ah mais non mais... Oui. Oui, je suppose aussi que tu étais chez toi. Pourquoi est-ce que ça me... Ok. Ah mais j'avais un stack de blé là. Pouh là là, je vais pas me prendre la tête avec ça. Voilà, j'en ai un. Voilà. Attends, ça tu auras un avis sur les quêtes que... Enfin, je te donnerai mon avis sur les quêtes que tu as faites comme ça en même temps. Qu'est-ce qu'il va me donner, le palefrenier? Qu'est-ce que tu vas me donner? Ah, mais oh, tu te calmes tout de suite, l'araignée, tout de suite, voilà, s'il vous plaît, hein. Il y a Kibou qui a rejoint, là. Oh, Kibou. Bah, écoutez, là, on est bien, là, on est assez, je pense, pour une simple petite vidéo d'enregistrement. On verra une autre fois avec eux. Merci finalement, les chevaux auront moins à manger pour aujourd'hui. Tiens, voici ta récompense, tu l'as amplement mérité. Tu m'as donné 5 pièces de pierre. Oh, c'est vachement gentil, mais c'est vachement radin quand on compare avec Karina. Non, normalement, il t'a donné 3 pièces de bronze. Ah oui, 3 pièces de bronze et 5 pièces de pierre. Oh ouais. J'ai rien dit, monsieur. Gueule, hein. Oh, mais c'est nickel. Oh, mais ça fait zizir. Ouh, je sais bien ça, merci monsieur. Oh, ça c'est bien ça. Tes quêtes sont très bien.
Titi. Merci, voilà. Madame. Elles sont très bien faites. Tu les as très bien. Tu les as très bien. Par contre, je crois que j'ai filmé quelque chose que j'aurais pas dû. Ah, oh, c'est pas grave, viens. Ouais. Bien. Bon, on va montrer. On va désolé, parce que je te regardais, donc du coup. Les petites nouveautés de la forge. Attention, il y a un fantôme. Il y a un fantôme. Pas de fantôme ici. Non, mais bon. Alors. T'es en feu, hein. Je tiens juste à te le dire au cas où. Je sais pas si t'es au courant. Salut, qui revient là. Tu n'irais peut-être pas te. Non, ça va aller. Le mec, tu as de l'eau là au cas où, hein. On lui préfère faire des trucs sur l'armée. C'est marrant. Non, en fait, ça n'a pas été. Ah, oh là. Quand tu vas pas dans l'eau, quand tu te fais toucher par un fantôme, tu brûles. Oh là là. Ah, ça c'était magnifique. Je pensais que ça allait aller, hein. Bah non, c'est puisque je. T'as vu quand je te dis que Kiyoshi n'est pas si sûre que ça. Oui, non, c'est pas le fait qu'elle n'est pas sûre, c'est le fait que c'est toi qui. Je vais pas dire que c'est toi qui es trop con, je me permettrai pas, mais. On lui. Tirez pas dans l'eau. Oh non, ça va, spouf. Y'a du titi partout. Oh là là. C'est vraiment dégueulasse. Ah bah oui, arrête. Y'a pas de mouchoir. Ouais. Oh, c'est vraiment dégueulasse. donc, ouais. Je te laisse me présenter ce que tu es en train de faire alors. Mon titi. Les gentilles mesdames que tu vois là sont la femme et la fille du forgeron et c'est elles qui vont vendre les. Bah, les armes, les armures que. Oh, c'est bien ça. Le forgeron. Oh, c'est bien. T'as regardé non, avec les. Je dois regarder les prix. Ok. Je dois changer les prix. C'est quoi ce bruit? J'entends des bruits de trucs. Comme s'il y avait des mobs tout près, je sais pas. Ouais. Bon, c'est par où quoi? Ah, c'est la sorcière qui attaque le forgeron, je crois. Oh purée, on va lui défoncer sa mère. Attends. Il y en a deux. Passe. Vas-y, défonce-lui. Défonce-la. Yeah. Bon, moi, je vais retrouver. Mais c'est la. C'est la fête aujourd'hui. Titi, la mort, le retour. Non. J'ai survécu. Ah, c'est et donc voilà pour ce côté-là. Maintenant, on va aller voir le plus beau. Dis-moi. I follow you. J'aime bien tes ailes comme ça fait, on dirait un peu une dad. Les ailes de ton morph, désolé. Ça fait flap flap quand tu marches. Je me sens seule là d'un coup, je sais pas pourquoi. Ouais, voilà. Et là, j'ai des trucs, le mec il me répond pas. Pourquoi il me répond pas? C'était vraiment nul ce que je viens de dire. Oh, pardon. Je t'explique, j'ai voulu taper l'araignée et sans faire exprès, je t'ai mis une rouste. Voilà. Oh, c'est super beau, hein. Oh. Et attends, je vais juste retirer les nuages. Ouais, c'est une bonne idée. Hop. Hop, ah, c'est magnifique. Bon, je dois encore peaufiner la déco intérieure parce qu'elle ne fait pas du tout. Donc je vais tout comme ça. Et moi, je sais qui je vais la tweeter, moi. Ah oui, moi aussi, je sais. Je vais la tweeter à Roi pour voir ce qu'il en pense, pour avoir l'avis d'un professionnel. Enfin, d'un professionnel. Oui, on peut dire ça clairement parce que franchement, Roi, dans c'est. Dans ce cas, faudrait la prendre de diagonale. Pas la diagonale. Ah, mais c'est magnifique. Waouh. Je vais grimper dedans. Ah, toute meublée et tout en plus. Et ouais, tu vas habiter ici? C'est quoi, ça va être ta meilleure. Ça sera les appartements du gardien. Gardien de la pagode. Parce que la pagode aura un aspect très religieux au niveau. Mon coup n'est pas. Non, d'accord, j'arrête. Une fois c'est drôle, mais. Qu'une fois quoi. Ouais. Sauf que je le fais tout le temps. À croire que ça t'intéresse beaucoup. Oh le mec. Oh purée, mais ta ville est juste c'est superbe. Merci madame. Ça fait plaisir.
Sérieusement, les sushis, moi je dis, mettez des commentaires pour dire ce que vous pensez de la diététique. Et si vous dites que c'est moche, je vous défonce. Le truc là, bien sympa. Je vous défonce aussi. Non, mais non, sérieusement, si ça, ça vous plaît pas, vous pouvez le dire, hein, mais restez courtois si vous n'aimez pas. Donnez des avis constructifs. Oui, voilà, des avis constructifs, c'est exactement ça. Ok, bah voilà pour les petites nouveautés. Je crois que j'ai... Ah oui, t'avais vu les nouveautés. Oh les autres, j'avais le reste, j'avais déjà vu le reste, mais j'aime ah bien oui, ça. Ah oui, il y a juste un petit truc que j'ai rajouté aussi aujourd'hui, un petit panneau d'affichage. Ah, le petit panneau d'affichage, ah oui. Et j'ai encore rien dedans. Ah non, mais ça rend particulièrement bien, ça y a pas à dire. Il est fini à 2 aujourd'hui. Voilà. Ah c'est super beau. Attends, je vais aller la prendre, je vais prendre une photo de là. Bloup. Oh, bonjour monsieur Creeper. Bonjour monsieur Creeper. Oh c'est tellement beau. Oh j'aime bien. On se croirait Paradise. Rien à voir. Bah non mais c'est franchement Titi GG quoi. Poussin, ah ils sont encore mutés, ok. Ah bah dis donc. Je me dis allez, je vais peut-être montrer sa ville s'il le veut, mais Ah oui, sa ville est... Tu veux que je vienne de chez toi? Bah y'a pas de problème. Pour montrer au sushi à mes abonnés ce que tu fais? Ah bah y'a pas de problème. Hops. Illuminatown, la ville des... Montre le mazo de l'équipe. Le mazo de l'équipe, on est tous un petit peu tarés ici, hein, je te rassure. C'est par là. Tu ne me trompe pas. Donc, ben Zop, je vais laisser te présenter si tu veux, voilà. Bonjour, je m'appelle Zop. J'ai 35 ans et je bois beaucoup. Oh t'es trop con. Non, je déconne. Grand déconneur en herbe, redstoneur, fan de build. Ouais, je pense que ça me définit bien. D'accord, ok. Il a commencé il y a pas longtemps une petite chaîne YouTube. J'essaierai de mettre le lien en description de vidéo. Si j'ai oublié, dites-le moi, les sushis. Bah là, je suis près du... de ton restaurant de Belgian Gaming. Gros bisous à Belgian. Ben, ouais. Tu gardes cette vidéo, Belgian. Tu peux aller de la porte d'entrée, bah tu vas tout droit et moi je suis à ouais, la maison. Je vois. Trop purée. Oh je me rappelle pas que c'était si grand la dernière fois que j'y suis allé. Non, c'est pas si grand la fois dernière. Il y avait qu'un étage. Là, il y en a deux. Ok. Ouais. Ah ouais, quand même. Ah, Titi, tu devrais venir voir. Je suis déjà venu. Ouais. Sans déconner. Il est venu quand c'était le tout premier étage. Il a pas vu le deuxième étage, Titi. Ah. Bah le rez-de-chaussée tu veux dire plutôt. Ouais le rez-de-chaussée. Ah mais par contre il y a de la foule en dessous. Mais quand je te dis de la foule c'est pas pour déconner hein. Non je sais, il y a beaucoup de monde en bas. Ah bah écoute, moi ça me va hein. Je vais les défoncer. J'ai pas encore éclairé. Ça se voit. Tu me cherches toi? Tu me cherches, je te défonce, hein, moi je te défonce. T'as vu, je t'ai défoncé. Aïe. On joue au Creeper Ball. Oh purée, y a même des werewolves qui ont popé. Ah, il était là, lui. Ah comme j'ai de voler. Ah putain, mon ami. Voilà. Attends, je t'éclaire quand même ta zone. Ouais, je pense que c'est ce que j'aurais dû faire, mais je n'ai pas fait. Parce que la foule de charbon que j'ai... de charbon, bah oui, je suis charbotomaniaque. Voilà, vous le savez tous maintenant. Voilà, je suis dans la... J'essaie d'arrêter. Oui, voilà, j'essaie d'arrêter, mais c'est très dur. J'ai créé deux microcosmes, t'as un côté Aether et un autre côté Nether. Ouais, et j'aime beaucoup. Ça, je les avais déjà vus hier quand je t'ai passé hier. On essaye de la désintoxiquer au charbon. Mais c'est tellement dur.
Elle n'a aucune volonté. Elle est trop prise, oh, mais... elle est trop prise par le produit. Non, en fait, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Je sais pas si vous avez déjà remarqué les sushis, mais quand je mine, j'aime bien... Charbon. Voilà, je prends chaque fois le charbon parce que c'est quelque chose... voilà, c'est une ressource qui sert à, dans beaucoup de à cuire beaucoup de choses, donc voilà, la bouffe, dont les pâtes. Truc... Dont les pâtes. Voilà, dont les pâtes, rien que ça. Donc, voilà. Bah écoute, je t'ai un petit peu éclairé le bordel, hein, Zop. Ah bah merci. Voilà, je t'éclaire, merci, je mets juste des petites torches au mur, tu n'auras qu'à modifier ça comme bon te semble. Je vois que les modos qui parlent, je fais un gros coucou à Darky et à Kibo qui sont mes modérateurs et qui nous ont rejoints sur le serveur que j'ai invité parce que voilà, c'est des ouais, personnes t'as vraiment de partout. Adorable. Bah oui, mais comme ça, au moins, t'es sûr que ça popera pas. Enfin, t'auras moins de chances de pop. Non? Ouais, c'est vrai. Il n'y a pas encore d'escalier central pour aller à l'étage. Bah écoute, franchement, c'est très très beau. C'est... J'aime bien. J'aime bien. Limite, tu pourrais construire une ville, en fait, dans ta maison. C'est ça. Mais non, mais c'est tellement immense. Quand j'ai ma maison à côté... Encore, comment? Le jardin n'y est pas encore. Mais là, en fait, ce que je vais pleurer pour faire, c'est parce que ça va être le toit. Ça va être un peu compliqué. Bah, j'aimerais juste voir, franchement, c'est super beau. Je vais regarder parce que j'ai un nouveau morph. J'ai chopé un morph de... De horse, de cheval noir, j'ai pas vraiment, j'ai plus, parce qu'en fait donc on a eu un souci sur... Ils volent pas ce con? Oh putain, non ils volent pas. Bah, je... Quoi, le horse mob? Ouais, ils volent pas. Il papillonne. Voilà, j'ai pris la mouche. Zop, t'as plus qu'un point de vie au cas où, je te le dis. Ah ouais, je sais, t'inquiète pas. Et ta chambre, elle est où dans tout ce bordel? Bah j'ai pas encore vraiment délimité les pièces en fait. Et tu comptes faire des doubles murs à l'étage, vu la grosseur du truc? Pour que je peux mettre de la laine ou quoi, faire papier peint ou quoi? On verra. On verra parce que j'aime bien le côté pierre, mais je sais pas comment le camoufler. Ah ouais. Pour le moment, j'ai pas d'idée. Donc du coup, je laisserai peut-être pierre et puis on verra au fur et à mesure. Okay. Parce qu'en bas, c'est déjà en bois de chêne noir et j'ai pas envie de refaire du bois de chêne noir en haut. Mm-hmm. Ouais. Parce que ça casserait avec le bois de chêne qui est là. Mais quel boulot. Donc la pierre carré. Passe bien. Voilà, donc à tous ceux qui pensent que la cobble c'est nul et que ça sert pas, ben on peut l'utiliser quand même et ça peut rendre beau. Mais j'ai envie de dire aussi, chacun fait sa popote comme il l'entend. Si toi t'aimes bien, c'est ton choix, y a pas de mal. Hein. Ouais. Ah ouais, si je voulais dire au sushi, comme ça vous savez tout, malheureusement on a eu des bugs et on peut plus aller dans Lizer parce que voilà, c'est devenu un peu dangereux. On a il y a Glenn qui bug dans Lizer malheureusement, Knut et Kata aussi, donc on s'est dit bon, on va plus dans Lizer parce qu'Indara a dû entre guillemets remettre à jour les j'entendais quoi, je te Glenn, mais c'est pas grave. Ah bon, un petit peu, oui, mais c'est pas grave. Il a dû effacer les données joueurs malheureusement et donc on a perdu tous beaucoup de choses, ce qui est assez ennuyant, mais bon, ça c'est pas grave quand même. Je dirais, Lizer a été banni. Ouais, voilà, Lizer a été banni, c'est un monde interdit. Forever. Voilà, ah exactement, il a été banni parce que c'est un monde... Trop dangereux. Voilà, trop dangereux. Et donc, oui, bah écoute, Zop, je vais te laisser faire à tes constructions, moi je vais retourner dans mon coin, je vais vite montrer au sushi ce que j'ai rajouté à Pandatome, justement pour pallier à ce manque de Lizer. J'espère juste qu'il va pas se mettre à pleuvoir pour ne pas que je me noie en mouche, parce que ça va être un petit peu... Voilà. Faudra à mon avis, je dirais sûrement un truc à Skyward pour voir s'il n'y a pas des... Vu que là, les morphs... bon, les morphs, on s'en fout. Hein, passer mon temps à les récupérer des morphs, ça pourrait être bien. J'aimerais bien avoir celui de la succube. Tout le monde qui l'a, moi, je l'aimerais bien. Moi, celui non, de moi, la je l'ai pas moi, là. Moi, je l'aimerais bien. Et d'ailleurs, j'ai un très mauvais souvenir des succubes. Non. pas. Tu n'aimes pas les succubes? Non. Hop. La saloperie qui a capturé ma femme là, je sais pas l'oublier. Pas d'attendre, voilà. Hop. Pour d'attendre, il n'y a pas eu de news depuis le live que vous avez vu, hein, à mon anniversaire. Pas de nouveauté.
enfin au niveau de là, mais bon, la seule news qu'on a eue, c'est que j'ai rajouté eh bien allez. Donc j'ai déplacé Winter, on a retiré le portable de Laser qui était là. On a déplacé Winter ici, je vais sûrement créer dans la journée, ou peut-être plutôt le soir, un petit PNJ qui pourra permettre de vendre d'autres ressources. Parce que donc Winter, il vend déjà tout ce qui est déjà les pouces, quelques blocs. Et voilà, mais j'aimerais quand même bien qu'on puisse acheter la pierre des donjons, qui elle je pense sera un peu plus chère parce que c'est quand même une pierre des donjons. Donc voilà, et puis aussi j'aimerais bien faire un petit donjon de laser comme j'avais fait le donjon loup, mais vraiment que de laser pour que les personnes qui ont envie de choper des choses en se bagarrant puissent le faire. Voilà, tout simplement. Ah ouais, tiens, d'ailleurs, il faudra que je bute Matt parce que j'ai plus ma canne à pêche cheatée. Quelqu'un veut venir le battre avec moi, Matt? Matt, c'est le pêcheur, à Port Town. Ah, parce qu'on peut le buter. Ah oui, il m'a dit un truc méchant tout à l'heure, tu vas te la prendre, je sais pas quoi. Bah si tu veux, on peut le buter tous les deux si tu veux. Ah bah écoute, je veux bien parce qu'après ce qu'il m'a dit tout à l'heure... Tu vas la prendre. T'as pas kiffé. Donc, en butant Matt, vous avez une chance sur deux, donc il n'est pas forcément facile à buter, vous avez une chance sur deux de récupérer une canne à pêche qui est ultra cheatée de la mort. Donc, voilà. Je vais juste quand même mettre des choses dans mon backpack pour pas les paumer. Parce que j'ai pas envie de tout perdre. Oh, j'ai looté une pioche en bois sur un des loups-garous que j'ai buté chez Zop. Hop, je mets tous mes affaires. Ouais, j'étais en train d'échanger des petites commerçantes là. Puis je vois l'autre que c'est marqué tu vas te la prendre. Mais où là, il me veut quoi celui-là? Allez, viens. C'est où? Il est là. Oh purée. Oh putain. Le poisson pourri. Oh merde, pardon. Attends, je vais chercher mes lovely, ça ira plus. Me cherche pas, mais je te mets une rouste moi mec, j'en ai rien à foutre, moi je te défonce ta mère. La mère le caniche. Tu m'as touché ou pas au fait? Un petit peu. Peut-être. Que si les loups commencent à t'attaquer, ça va pas le faire. Ah bah écoute, je crois que ça va être vite réglé. Heureusement que j'ai ma pierre de régénération qu'il n'a à m'a donné. Bon, ils vont l'attaquer aussi. En plus. Ok, déjà. Bah ouais, ouais. Il a ajouté quelque chose? Non, non, j'ai rien reçu. Mais t'as une chance sur deux, hein. T'as une chance sur deux. Bah écoutez les amis, moi on va vous laisser, mais donc on essaiera de rebuter ce loustique. Ah, le revoilà! Le revoilà les gars! Il est revenu! Je vais juste prendre mes sushis avec moi pour en bouffer un bout. Maintenant c'est peut-être pas l'idéal parce que ce qu'il y a c'est que si je frappe sur une de vos lovely robots, je suis dans la merde. Moi j'en ai pas avec moi. Si, donc parce que si un coup se perd, désactive-les. Quand tu te bats contre un monstre à plusieurs, c'est mieux de désactiver le lovely robot, Poussin peut te le dire. Il me veut couper. Non! Mais j'ai désactivé! Et quelle bande de connasse! Mais non! Moi, elles sont des niveaux. C'est les miennes? Mais oui que c'est les miennes! Bah oui, c'est les tiennes. Je regarde. Des fois, elles valent loin. Oh, y a un feu ici. Oh, j'entends un fantôme. Ah, y a ton meilleur ami qui est là. Mais ce qu'il y a, Titi, c'est que si tu te fais attaquer par un mob, elle s'active et donc du coup, bah voilà. Oh, franchement, attends, j'ai
les mettre en mode attaque. Quoi. Ah, je m'en fous, je le défonce. Ah, ah bah écoute, ah. Elles en ont rien à battre. Ah non, ça va. Ah. Ah. Non, ah, ah. Ah. Je m'en fous, je te déf... Pardon. Voilà. L'arnaque. Mais il va me la looter cette canne à pêche, ce con. Et attends, peut-être que j'aurais plus de chance à lui infliger le dernier coup avec mon épée butin 3. Ouais, vas-y, ouais, pourquoi pas. Faudrait que je trouve, faudrait que j'aie butin aussi sur mon épée. Nous allons jouer au mat volé aujourd'hui. On va s'envoyer le mode. Bon, j'ai... Pardon. Oh oh. Non mais putain, elles sont chiantes. Ah ouais, je confirme, elles sont chiantes. Parce que ce qu'il y a, c'est que j'ai peur de taper et que... Bah oui, mais pourtant je les ai désactivées. Ah merde, je tape dans les... Oh non, j'ai tapé dans tes loggings. GG. Ça va bon, se concentrer sur Matt. Bon, moi je vais faire de la plantation, moi les gars, hein, voilà, un peu de jardinage. Hein, quand les lobbies ont décidé d'arrêter de casser les burnes, hein. Désolé. C'est pas grave. Attends, peut-être que si je m'éloigne... Oui, non, il faut que t'ailles plus là, parce que dès que tu te prends un coup, elles tapent dessus. Ça gêne. Elles m'ont même pas suivi, les cons, là. Oh, j'espère que je t'ai pas frappé. Elles m'ont même pas suivi. Je m'en fous, je vais te défoncer. Ouais, il m'a looté la truc. Il me l'a looté. Il m'a looté la canne à pêche. Donc la canne à pêche, qu'est-ce que c'est? Solidité 3, chance de la mer 3 et à pas 3. Voilà, on peut avoir plein de trucs cool avec cette canne à pêche. Donc voilà, plein de poissons, des tout. Donc, voilà. Je suis contente. Je vous laisse les mecs, vous vous démerdez avec. Hein. Moi j'ai eu ce que je voulais. Donc voilà, voilà. Moi je vais lui mettre la mer. Tout à l'heure. Tu vas prendre. Bon, c'est sur cette magnifique... Oh, mais j'ai pété mon casque. Oh, c'est pas grave. C'est sur cette magnifique... bagarre entre Titi et... Il veut faire griller ma lobby. Il veut faire griller ma lobby. Que je vais vous laisser. C'est toi, Glenn, qui viens près de moi, là? Oui. Bah viens, tu peux venir dire au revoir aux abonnés avec moi. Avec beaucoup de plaisir. Donc bah voilà les petits choux, on vous fait plein de gros bisous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour si cette vidéo vous a plu tout simplement. Allez voir la chaîne de Zop et voilà, plein de gros bisous à vous. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao ciao. Salut ça, salut. Salut. Tu peux dire plus fort ça pour t'as pas entendu. Au revoir. Au revoir. Mmh.